No stress. Flow, flow. Ah, laisse ça, dis donc. Master. No stress family. No stress family. Yeah. No stress. Ainsi votre patron vous a soldé, y compris les aérés. Oui, oui. 400 000 francs au total. Je t'avais dit. Tu vois que si tu avais laissé ce boulot, tu devais être en train de perdre. Tu sais, dans toutes les entreprises, il y a des moments de crise. Hein? Si tu avais laissé cela, tu devais être en train de perdre 400 000 francs maintenant. Tu as raison, chérie. Mm-hmm. Bébé, oui? L'argent. Ah, ah! J'ai même oublié. Hein? Chérie, oui? Je ne vois que 398 000. Mais où est passé 2 000? J'ai dû sortir 2 000 francs pour me rapprocher, mon ami et moi. Nous avons pris une bière. Ah, mais tu prends l'argent, tu n'arrives même pas à la maison, tu as déjà utilisé. Est-ce que c'est normal? Je m'excuse, chérie. Bon. Il faut donc que je repartisse cela. 50 000 francs d'abord pour la maison. Oui. 20 000 francs pour l'eau. Oui. 30 000 francs pour la lumière. Bon. Bon. Le reste, on va gérer au courant du mois. Chérie, j'ai besoin de 15 000 francs pour arrêter mes poches. Tes poches ont besoin de 15 000 francs pour être arrêtées. C'est juste que, en marchant en roulant, je peux verser un plateau d'arachide. On m'arrête de payer. Tu ferais mieux d'être prudent quand tu marches. Et même si, c'est, si tu renversais un plateau d'arachide, n'importe quoi là. 15 000 francs, c'est beaucoup pour cela. Bon. Pour ton problème, je pense qu'avec 5 000 francs, ça peut aller. Tiens. Ok, merci chérie. Le reste, on va gérer au courant du monde. Ok. Bon. Je prépare ton bain. Blaise, qu'est-ce que t'amène chez moi aujourd'hui? Le qui? L'objet de ma visite aujourd'hui chez toi. C'est la situation de notre frère Master. Tu es sans ignorer que depuis 3 mois, il est malade. Ça ne va pas encore? Quelle question tu me poses, Lucky? Tu me demandes si ça ne va pas encore. Je t'appelle plusieurs fois, c'est ta femme qui décroche à ton téléphone. Tu es quel jardin? Lucky dort. Mon mari dort. Mon mari n'est pas là. Pardon, ne dérangez pas les gens. C'est quelle façon ça, Lucky? La dernière fois que je t'ai appelé, fais comprendre que Master est souffrant. Il y a de cela 3 mois aujourd'hui. À la maison, ne parvient pas à dormir. Master, wou, wou, wou. Même les voisins sont déjà pleins, fatigués. Master. Donc, c'est qu'il y a de malade. Il est à la maison, il est malade, il pleure toute la nuit, dérange les gens, on ne peut pas l'amener à l'hôpital. J'ai même déjà honte au quartier. Et tu es sans ignorer que notre maman est déjà fatiguée. Papa est décédé. Et moi, j'ai perdu mon boulot. Tu es la seule personne dans la famille qui est un peu stable. Tout cela comme ça, Blaise, c'est juste parce que j'ai eu un retard de salaire. Je comptais t'envoyer un peu de l'argent pour que tu amènes Master à l'hôpital depuis le mois passé. Mais ça n'allait pas avec moi. Mais qu'à cela je tienne, j'ai eu mon salaire. Je vais te trouver un peu d'argent pour que tu amènes Master à l'hôpital. Voilà. C'était juste un retard de salaire. Attends, madame, viens là, je vais te donner un peu de l'argent, tu l'amènes à l'hôpital. Voilà ce que j'attendais de toi depuis. Là, tu réagis maintenant comme un frère. Non, c'est pas ça, c'était juste que j'avais eu un retard de salaire. Monsieur. Mais chérie. De quel argent parles-tu? Non, c'est juste que Master est malade. Waouh! Monsieur est devenu docteur. Master est malade et c'est toi son docteur? Tu es le docteur de la famille? Non, c'est juste que je voulais trouver un peu d'argent à Blaise pour qu'il amène Master à l'hôpital. Wonderful! Donc tu es devenu la banque? Hein? Tu es devenu la banque? Non, chérie, c'est juste que la situation de Master est vraiment critique. Ah, ok. Donc, je vivais avec un docteur, je ne connaissais pas. Tu es devenu le docteur de la famille.
Je savais ceci. J'avais dit que c'est cette femme qui finit avec ton argent ici dedans. C'est elle qui ne veut pas que tu aides tes frères. Ah, ce sont des masques critiques, hein. Il m'a dit que masque écrit toutes les nuits, oh, 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 et ça ne va pas parler lui. Je savais ça, Lucky. J'ai dit, oui, chérie. Tu es devenu la banque. Et même si tu es la banque, dis à ton frère que la banque est fermée le week-end. C'est pas possible. Vraiment, je suis désolé. Enfin, m'a dit que la banque n'ouvre pas le week-end. Il se tourne lui, la banque n'ouvre pas le week-end. Je dis, c'est ta femme qui te commande. Ça dit, dis-moi quoi finalement, Lucky? Madame, tout ceci va prendre feu un jour. Mais chérie, demande à ton mendiant de frère d'arrêter de me traiter de n'importe quoi. Ouais, Blaise, s'il te plaît, arrête de traiter ma femme de n'importe quoi. Lucky, tu es devenu un quejadon. Elle te donne la nouvelle que tu viens de transmettre. Tu m'appelles de n'importe quoi. Le tout sinon, tu l'as pas mis seulement dans la bouteille. Tu l'as mis que dans la damjam. Chérie, demande à ton mendiant de frère d'arrêter de me traiter de sorcière. Mais Blaise, arrête de traiter ma femme de sorcière. Ferme ta bouche. De sorcière. Mais chérie, tu le laisses te parler comme ça. Ouais Blaise, je veux pas les problèmes. Arrête de parler à ma femme de cet homme. Je n'arrête pas Lucky. Je n'arrête pas Lucky. Ça devient quoi finalement? Mais chérie, ton frère est en train de mourir à la maison, tu me demandes. Mais arrêtez-moi ça, hein, madame. C'est quoi? Chérie, demande à ton frère de sortir d'ici, sinon je ne répondrai plus de moi. Blaise, ma femme est méchante, hein. Si tu continues ainsi, elle ne peut répondre de rien. Je ne parle pas, il faut que tu me donnes de l'argent pour qu'on puisse soigner Master. Mais chérie, mais agis, ça c'est quoi? Moi je ne veux plus de lui ici. Mais Blaise, elle a dit que la banque est fermée le week-end, non? Possible. La banque est fermée le week-end, non? La banque, j'ai dit, je ne pars pas. Lucky, cherche l'argent, tu me donnes. Mais chérie, comme tu ne veux pas partir, reste là, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu es que j'adore. Ne veux pas te laisser dominer par ta femme. Laisse, il faut partir. Elle est méchante. Hein? Avant qu'elle ne réponde de rien. Il pense que c'est la cour du roi, fait tout. Oui, tu viens de m'en sortir. Tu vas finir là, on va. Il fallait attendre. Tu veux voir de quoi est-ce que de quel bois je me chauffe. C'est la banque. Il faut que chacun vienne là. Monsieur, lève-toi en bas dans la chambre. Comme tu es déjà devenu docteur, tu es devenu la banquier, hein? Va t'occuper de toute ta famille. Comme si toi-même tu n'as pas une famille. No stress family. Comment tu vas? Très bien. Gans, où est passé mon beau frère Lucky? Ton beau est allé au travail. Je sais que tu ne marches jamais pour rien. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Bref, Gans, c'est que mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Je savais. Et je compte organiser un petit cocktail avec mes amis de l'université. Je savais. Il dit que tu ne viens jamais ici chez moi pour rien. Quand tu viens, c'est que tu as un problème. Ah, flou, flou. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, flou, flou. C'est quand toi, tu as tes problèmes que tu me rends visite. Heureusement que c'est pour un événement heureux. La situation financière est un peu changée de notre côté. Bon, je vais voir ce que je vais faire pour toi. No stress family. No stress. Flo, Flo. Master. Tu dois remettre 20 000 francs à maman. Et 100 000 francs, c'est pour toi. Merci, Gansé, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci infiniment, Gansé. Ok. Merci. D'accord. Merci encore infiniment. Merci beaucoup. Merci. Tu vas à la porte. Non, c'est pas. Mais chérie,
Bonsoir chérie. Bonsoir bé. Ma petite soeur vient tout juste de partir. Ah bon? Ah bébé, j'ai une très dure journée. Ah bon? Vraiment, je te dis. Ma vieille moto n'a même pas permis d'arriver au boulot ce matin. Je suis passé au garage. Le mécanicien m'a demandé de changer le moteur. Qu'il fait 200 000 francs pour changer le moteur. Mais chance que on n'a pas encore dépensé ce mois-ci. C'est ce que tu penses. Comment ça? Qui te dit qu'on n'a pas encore dépensé? Je t'ai dit que ma petite soeur venait, pardon, ta belle soeur venait de sortir là, non? Elle avait quoi, ma belle soeur? Elle est venue me dire que elle fête un an de plus le week-end prochain. Je l'ai remis 100 000 francs pour son événement. Et j'ai remis 20 000 francs qu'elle donne à ma mère, pardon, à ta belle-mère. Quoi? Mais non, frère. Qu'est-ce que tu me racontes là? 100 000 francs juste pour un anniversaire? Mais chérie, un an de plus, ça se fait. En plus, c'est ta belle-sœur. Ah, nos stress. Mais la semaine, ça ne fait pas encore deux semaines que mon frère, pardon, ton beau-frère était ici. Pour un cas de maladie très, 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 très grave. Mais tu l'as refoulé ici comme un idiot. En disant que ce n'est pas la banque ici. Chérie, tu ne dois pas comparer l'anniversaire avec la maladie. Un an de plus, ça se fait. En plus, c'est ta belle-sœur. S'il te plaît, j'ai mal à la tête. Pardon, je ne veux même pas gérer les gens de stress là. Enfin, juste pour l'anniversaire. Vrai que c'est mon frère qui avait raison. La femme s'est mise à la bouteille. Non, c'est même pas la bouteille. C'est la damjan. No stress family. Yeah. No stress. Flo flo. Master Wanda Meme Blaise Lucky No Stress Family. No Stress Family.